Méditel vous présente la météo. Méditel, pour mieux communiquer. Bonsoir à tous. Le temps est en amélioration en raison des conditions anticycloniques. Le soleil cohabite avec des nuages moyens et élevés, notamment au centre et au nord. Détaillons ensemble les prévisions pour demain. La matinée débutera sous une présence massive de nuages bas sur l'extrême nord, le Seyss et le nord de l'Oriental, avec des possibilités de quelques ondées. Le soleil sera rayonnant partout ailleurs. Rien à signaler pour demain après-midi. Quelques nuages se promèneront sur l'extrême nord et on le voit bien, le soleil l'emportera largement sur la quasi-totalité de nos régions. Les températures vont baisser de quelques degrés, surtout sur les régions montagneuses, avec 2 degrés pour Ifrane, 7 à Rachidia et Bnimlel, 6 à Ouzazat, 8 degrés à Marrakech, Oujda et Fès, 14 degrés à Tanger et 8 degrés à Agadir. Le mercure frôlera les 17 degrés vers le pourtour méditerranéen. Prévoyez 24 degrés à Marrakech, 18 à Rabat et Casablanca, 23 degrés à Safi et Essaouira et 20 degrés à Alghouira. L'évolution pour les jours à venir, eh bien pour la journée de jeudi, nuages bas et formations brumeuses défileront près des côtes. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies sur les autres régions. La tendance pour les températures est à la baisse. Vendredi, attendez-vous un même type de temps avec un petit bémol tout de même. Un ciel passagèrement nuageux le jour, rien de bien méchant. Sans plus tarder, voici les marées. La mer sera peu agitée à agiter sur la Méditerranée et le Détroit. Agitée au nord de Tintane. Et peu agitée à agiter sur les côtes sud. Le soleil se lèvera demain sur Casablanca à 7h33. Comme tous les soirs, nous refermons ce bulletin avec l'info du jour. La Direction provinciale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification nous annonce une baisse de la quantité du bois saisi et des infractions enregistrées en 2009. En effet, la quantité totale de bois de forêt saisie dans la province de Khnifra au cours de l'année 2009 s'élève à 230 mètres cubes contre 312 mètres cubes en 2008. Ces actions entreprises pour la préservation du patrimoine forestier de la région est le fruit de la coordination entre les différents acteurs et intervenants pour la lutte contre le trafic de bois, notamment le trafic du cèdre qui reste la principale richesse forestière de la province et le plus convoité par les trafiquants. Bonsoir et à demain. Méditel vous a présenté la météo. Méditel, pour mieux communiquer.